Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Ekran Mamouchka. Donc je vais vous montrer. Alors j'ai réuni deux commandes pour dans la même vidéo. Donc j'attendais justement d'avoir la possibilité de faire mes premiers achats pour le nouveau catalogue Stampin' Up de janvier à avril 2024. Donc voici le mini catalogue. Et on a la. On a le Celebration qui commence en janvier. Déjà, ce que j'ai eu à la première commande qu'on a faite au mois de novembre. Voilà, donc bien sûr, on a tous craqué pour ce set de tampons qui est fidèle outil avec les dice qui vont avec. Donc, je vais faire. Je vous mettrai à chaque produit que je vais vous présenter, je vous mettrai la référence. Quand je vous présente le produit, je vous mettrai la référence. Donc là, comme c'est un lot, moi je l'ai acheté en lot. Je le prends toujours en lot, hein, ça, vous avez 10% de réduction en dessous. Donc je vous mettrai la référence du lot et de chaque produit, je pense. Ouais, on verra. Donc voilà. Alors, ce sont bien sûr, je vais vous montrer les dice. Donc, je vous montre, cette vidéo sera pour l'année prochaine. Là, je vous la fais, on est en décembre. Je viens de recevoir mon colis. Et voilà, les dice. Plaquette là, comme c'est qu'on accrochait, ben, mon mari en a une comme ceci à son garage pour pouvoir accrocher les outils. C'est génial. Et on a les outils qui vont avec. Donc, je pouvais pas passer à côté avec une famille de bricolos comme la mienne. Bon, on s'ennuie rarement, on a toujours les mains occupées en bricole. Il y a toujours un truc à faire. Voilà. Ah, excusez-moi. Ah, voilà. Donc, c'est un colis. Et oui, on arrive à Noël. Voilà. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Ce tamponnage. Pour les écrits là qui sont super jolis, les petits trucs comme ça là un peu effacés et tout, et même les feuillages. Puis ce petit message aussi sympa ça, tiens, ce jour t'appartient, juste un petit mot pour te dire bonjour. Voilà. Et j'ai pris les dice qui vont. Ouais, qui vont avec, j'ai dit, oh, pourquoi avoir pris les dice, c'est quand même. Il n'y a pas grand chose, c'est des tampons de fond. Mais non. Voilà. Ça. On a vu une création avec ça. On peut s'en servir. Bien sûr, on passe le dice sur un papier. Et on peut passer un fil pour faire pour coudre une reliure, quelque chose comme ça. Donc les feuillages. C'est tout simple, mais les feuillages. J'en ai pas tellement, hein, j'en ai pas tant que ça. Et souvent, quand je vois certaines vidéos, je me dis, ah, c'est pas mal avec le feuillage. Et donc, bref. Ensuite, donc ça c'était pendant notre. Ah oui, j'ai eu un cadeau aussi. On a eu un cadeau parce qu'on a participé à Celebration. À Onstage, pardon. Et c'est ce set de tampons. Planted Paradise. Donc, alors là, c'est que sur hop, des plantes, hein, cactus, des fallait plantes. Voilà. À voir. Donc ça, c'était nos achats et je vous montrerai à la fin. Ça, je vous montrerai à la fin. Il y a encore un petit truc, mais c'était Celebration, on avait la possibilité de prendre un produit. Je vous montrerai tout, parce que c'est du papier, je vous montrerai à la fin tout ce que c'est. Et les Celebration à la fin.
Donc là, depuis le 2 décembre, on a la possibilité, nous démonstratrices, de commander des produits pour vous les présenter, tout simplement. Donc moi, j'ai pris la collection Rockstar. Alors, cette collection, il y a le papier, les tampons, les dice, ceci, et je crois qu'il manque quelque chose. J'ai mon catalogue à côté de moi, il n'y en a pas pour longtemps. Rockstar, t'es où Rockstar? T'es là. Donc, je disais donc qu'il y avait le lot de papier. Ben non, c'est bon, il n'y a que ça. Ok. Alors, c'est des étoiles, des éclairs autocollants. Hein, c'est donc là, en haut. Enfin, je l'ouvre. Désolée pour le bruit. Ça risque d'être une vidéo un peu longue. Voilà, vous avez en trois coloris différents les mêmes. Hein, par contre, c'est quoi les coloris là? Donc, c'est des nouveautés. Les nouveaux coloris. Alors, blanc, carré moulu et Copacabana. Je vais le mettre carrément sur la collection. Ce sera beaucoup plus simple pour vous présenter s'il y a des papiers. Donc voilà, j'en mets dedans, pas les abîmer. Donc ça c'était, quand je l'ai vu sur le catalogue, ça a fait partie d'une de mes des collections que j'ai appréciées tout de suite. Rock'n'roll, la guitare électrique, le micro ancien, et dedans, vous avez... Voilà, vous avez les dice, la guitare, le micro, les étoiles, les éclairs plutôt, la baguette pour la batterie. Donc voilà, le papier, je veux juste vous le montrer comme ceci, je vous le présenterai à la fin, comme je fais toujours. Bon, j'arrive pas à le ranger comme il faut, c'est pas grave, ça sera de côté, donc hop, rangera après. Voilà, donc ça je vous l'ai présenté, ça c'est fait. Donc le papier il est comme ceci, hein, c'est du papier noir et blanc. Je vous montrerai en détail tout à l'heure. Donc il fait, c'est du 30,5 par 30,5, il y a 12 feuilles. Je vous le présente à la fin, quand il y aura à faire tous les papiers. De la colle, parce que la colle, bah, j'en profite toujours. Puis voilà quoi, j'ai repris un petit touche à tout. J'ai perdu un, j'en ai perdu un, je sais pas du tout, je l'ai mis, donc j'en ai repris un. Voilà, comme ça, il revient. Et j'ai aussi repris des plaques pour ma grande machine. Et la petite, parce que mes plaques commencent à être bien abîmées quand même. Donc, de temps en temps, voilà. Donc j'ai commandé les catalogues Celebration. Tic le qu'il y a. Alors, hop, je mets ça au sol. Donc ensuite, j'ai pris des gemmes. Fin chatoyant au violet. Donc, alors ça, je sais plus, c'est dans... Vous aurez vu le catalogue de toute façon avant de voir cette vidéo. Je vous aurais présenté déjà le catalogue. Donc, c'est dans la collection Lavande Vivace. Voilà. Alors, c'est numéro 4. Il y a 150 pièces. Chacune 50 de chacune des trois couleurs. 4 mm, 5 mm, c'est Explosion de baie, Crabe gourmande et Horizon de bruyère. Donc, c'est violet, quoi. Et si vous voulez, on ne s'y refait pas, hein, on ne se refait pas. Là, ce sont des pastilles en liège autocollante. Voilà, pareil, qui est d'une, je ne sais plus laquelle collection, par contre. Il y en a qui m'ont marqué, d'autres un peu, je ne sais plus la collection, je pense qu'elle... Si j'ai pris... J'irai à la fin voir.
Le liège là, page 41. Oh bah j'étais à côté. Voilà, c'est ça. Douceur de la nature. Oui, pareil. C'est une collection que j'ai beaucoup appréciée, que je trouve très jolie aussi. Voilà, qui est dans les teintes marron, beige. Enfin bon, c'est. Donc là, il y a du liège, c'est 120 pièces. Et on a ce ruban. Bon, je sais, j'ai dit que j'achetais plus de ruban. Ben, ils n'ont qu'à pas en faire d'autres. Voilà. Je ne serais pas tentée. Là, je voudrais dire que c'est Peggy qui m'a fait, laissé tenter à me la présenter quand elle l'avait commandé, pas moi. Et j'ai craqué. Franchement, j'ai craqué quand j'ai commandé. Alors, c'est un galon en faux cuir de 3,2 mm. En or. Voilà. Il est juste joli, quoi. Qu'est-ce que vous voulez? C'est sympa. Ça me donne une idée avec autre chose. Tenez, voyez, c'est cette collection. Ça me donne une idée tout de suite. Bref. Hop, je mets dans ma boîte. Alors, ensuite, ça, voilà, la collection, peut-être pas tout entière, ce que j'ai. Des produits, mais ça risque de l'avoir. Ah, j'ai eu ceci, un cadeau du papier cartonné blanc simple. C'est sympa. C'est sympa. 12,7 sur 17,8. Donc, ça va, c'est sympa. Bon, petit cadeau. Alors, on va arriver maintenant au côté Celebration. Donc, ça, on met de côté. Donc, janvier, février, c'est Celebration. J'avais commandé le mois de novembre, hein, comme on a eu la possibilité d'avoir quelques produits sur la à la boutique, on a eu le droit. Donc c'est. Oh, j'enlève carrément du papier. Alors c'est la collection s'appelle ma fidèle boîte à outils. Alors, couleur noir nu, chamois de cuivré, carré moulu, gris granit, lagon lointain et calico coquelicot. Alors, on y va. Regardez ça. Ça va avec la collection que je vous ai montrée tout à l'heure d'outils. Vous voyez, regardez. Carré comme ça. Voilà. Bon, je vous montre à chaque fois le recto vert. Voilà, les outils, toujours. Donc, côté des vis, des boulons. Puis à côté, ah, sympa ça, le métrage là. Et des petits pois. Voilà. Et encore et toujours des outils. Ah, voilà, l'autre côté. La collection qui va avec la collection de papa que je vous ai montré tout à l'heure. Ensuite, j'ai pris. Donc voilà, alors, le reste de mes commandes. Donc j'ai pris celui-ci. Mon père est super. Bonjour, je t'aime plus. Profite de ta journée. Bonne fête des mères. Je te souhaite de joyeuses Pâques, tout simplement. Les fêtes des mères, j'en ai déjà, mais j'ai qu'une sorte, je crois, puis à force, j'ai envie de changer un petit peu, quoi. Donc c'est en. Voilà. Bon, hop. Mais il n'y a pas besoin de découpe, c'est que des tamponnages et ça suffit amplement. Voilà, c'est que des tamponnages. Et celui-ci, cocon d'amour. Si un bébé arrive dans la famille, hein, pas moi, hein, je suis hors circuit, moi. J'ai ma nièce qui va avoir une petite fille au mois de. En principe, oui, c'est une petite fille au mois de janvier. À moins qu'elle arrive pour les fêtes de Noël. Et voilà, je vais faire un album. Hein, donc j'ai pas grand chose sur les bébés. Et là, j'ai trouvé ce berceau très.
très joli. C'est un berceau ancien, je pense en rotin, je vois le style du berceau. Et c'est vraiment très joli, très très joli. Avec le... ah, le petit mobile. Donc bienvenue Poupon, fille, garçon, bébé, adorable, petit bout de chou. Donc ça complétera celui que j'ai et ça sera très bien. Hop, dans le carton. Et donc avec, j'ai pris un autre papier. J'ai pris une autre papier. Je suis désolée, j'essaie de ne pas faire trop de bruit, mais bon. Avec le... Est-ce que je les ai tous? Non. Avec ces emballages-là, j'ai fait très attention. J'ai abîmé des papiers avec une fois avec un. Donc maintenant, j'y fais très attention. Alors, ça s'appelle Or Adoré, Flamant Fougueux, Rouge, Rouge et Or. Alors, je vous montre ceci. Toujours comme d'habitude en recto verso, c'est 30-30 en marbré rose. Là, il est magnifique, franchement. Non, je suis pas très rose. Hein. Et là, il est beau. Ah, oh, celui-ci. Celui-ci est beau. Voilà. Je commence à avoir une flamme girly. Voilà, comme ceci, est magnifique. C'était pas trop mon style, hein, tout ça. Mais six cœurs et des fleurs de l'autre côté. Un côté doré, et puis un côté plus mat. Voilà, des cœurs. Et encore des cœurs. Des rayures. Et des cœurs. Voilà. Donc voilà. Ça, c'est un cadeau de Celebration. Donc. Et là, je reviens sur le papier donc de la collection Rock'n'Roll que je vous ai montré tout à l'heure. Je vous le présente maintenant. Je fais toujours les papiers à la fin, évidemment. Donc, je ne sais pas si je vais vous remettre dedans, parce que ça va me saouler un petit peu. Bon, la couleur, c'est blanc et mordu. On ne va pas chercher à comprendre. Donc, ça s'appelle Rock'n'Roll. C'est blanc et noir nu. On y va. Il y a les superbes guitares. C'est très belle. Un fond bien noir. Hein. Voilà. Ah, pas mal. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Moi, je trouve que le noir, ça fait stylé. Suivant comment... On... Ah, ça fait un papier froissé. Il faut savoir bien le... Oh, c'est sympa ça. Comme si c'était de la pâture quand j'étais à l'école. Non, je rigole. Un papier comme ceci. Voilà. C'est sympa, sympa. Donc voilà. Bah, écoutez, ce sont les achats que j'ai fait avant Noël. Et que vous verrez après Noël et le jour de l'an. Je vous mettrai, je crois que le catalogue sort début janvier. Donc je vous mettrai la vidéo du catalogue à sa sortie et mes achats tout de suite après. Ben voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.